c'est un triathlon avec de la course à pied, du VTT, mais on remplace la natation par du canoë-kayak. Parce que historiquement, on avait un club de canoë-kayak sur 40 ans qui nous a fourni de nombreux champions il y a quelques décennies. Et il y a quelques années, sous une idée de Michel Loquet, le triathlon est né depuis maintenant 23 ans. Et donc, on a décidé de perpétuer la tradition. Avec succès, puisque le record doit être à un peu plus de 320, 340 participants. Et cette année, on avoisine les 250. Donc, on est toujours dans la même marge. Alors, il y a trois épreuves. Donc, il y a une épreuve qui est ouverte, ce qu'on appelle le triathlon découverte. Donc, le triathlon découverte est prévu surtout pour les gens qui n'ont pas encore cette fibre sportive ou l'habitude de pratiquer des compétitions. Voilà, donc pour le plaisir. Une autre épreuve qui est en relais. Donc, par contre, là, donc, il y a 30 km décomposés, donc un participant sur chaque épreuve. Et pour clôturer la journée, l'ultra. Donc l'ultra, c'est 31 km à faire tout seul. De d'août à septembre, on invite les gens à rejoindre le club de canoë de 40 ans pour venir essayer pendant un ou deux mois avant de se lancer sur le triathlon. La ville de Carentan soutient cet événement depuis le départ, car c'est une manifestation qui met en valeur bien sûr notre cité, le port de Carentan. Ça attire bon nombre de participants venant de Caen, de Paris. C'est un événement qui pour nous est une suite logique dans l'animation de notre ville à travers tout ce qui se passe au niveau culturel, au niveau sportif et toutes les animations qui tournent autour de cette vie sociale que l'on peut avoir à 40 ans. C'est une manifestation qui demande beaucoup d'énergie. On a une cinquantaine de bénévoles qui, pour certains, sont sur le terrain depuis 3 jours et qui, aujourd'hui, vont être là jusqu'à la fin des courses. Et voilà, donc c'est un grand merci à eux, un grand remerciement, parce que sans eux, de toute manière, on ne pourrait pas organiser ce triathlon. Et je tiens à nouveau, et nous tenons au niveau de la municipalité, nous tenons à le remercier très sincèrement. À bientôt sur tevie.tv.